Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géopleinaire. Nous sommes à Québec. Aujourd'hui, il fait frais et nous allons faire du canot à glace. T'es excité? On y va! Pour mieux découvrir ce sport d'hiver typiquement québécois, nous avions rendez-vous pour déjeuner avec l'équipe féminine de canot à glace Blackstone La Tulipe. Et une fille de canot à glace, ça mange beaucoup avant une sortie. Au départ, le canot à glace, c'était pas un sport, c'était une nécessité. Dans le sens que, à l'époque où il n'y avait ni pont, ni traversier qui était assez puissant pour traverser le fleuve, il y avait des compagnies qui engageaient des canotiers pour transporter de la poste, des médicaments, toutes sortes de marchandises, même des personnes, d'un côté à l'autre du fleuve. Puis il y avait la rivalité entre les compagnies qui faisaient du transport comme ça. Puis éventuellement, bien, cette rivalité-là s'est transformée en course de canot. Puis dans les années 30-40, le Carnaval de Québec a organisé une course vraiment officielle. L'équipe participe au minimum à 6 compétitions par saison et s'entraîne rigoureusement. Environ 3 entraînements semaine avec une espèce de soirée qu'on cire le canot, qu'on prépare le canot, qu'on frotte là, puis qu'on s'en occupe. On sort tant qu'on peut. Quand il fait clair, on peut traverser le fleuve, donc ça c'est un gros avantage. Quand on pratique par les soirs ou tôt le matin, bien, on reste soit en bordure de l'estuaire ici, à la rivière Saint-Charles, ou encore on va tout simplement aller s'installer sur une piste cyclable, pousser le canot dans la neige pâle pour se pratiquer à avoir les pires conditions possibles. Dans le temps des fêtes, on a pratiqué pas mal tous les jours, à part le jour de Noël et le jour de l'an, on est sortis tous les jours. Ouais. Donc là, on va appeler la garde côtière, puis on va appeler le trafic maritime du port pour savoir s'il y a des remorqueurs qui sortent, s'il y a des paquebots, etc., etc. Chaque équipe garde jalousement leur recette de cire et leur technique pour l'appliquer sur le canot. Et comme on dit dans le milieu, un canot bien serré ne vous fait pas gagner une course, mais un canot mal serré vous la fait perdre. C'est certain que les endroits où c'est plus dangereux, c'est où la glace, ce qu'on appelle un barré, c'est où la glace ne bouge pas, donc sur le côté, il reste immobile et la glace du courant bouge. Donc, c'est vraiment un endroit où il faut que tu fasses attention pour comment embarquer le canot. Comme essayer de passer d'un tapis roulant à un autre tapis roulant qui va dans le sens contraire, mais à une vitesse assez impressionnante. Donc, il faut être tout synchronisé puis il faut retenir son souffle un petit peu. Puis... Ça peut être dangereux pour un barreur de tomber dans l'eau, puis c'est ce qui arrive le plus souvent au niveau des barreurs de tomber dans l'eau. Nous, notre focus, il est en avant et non pas en arrière. Donc, s'il part, ben il faut qu'il crie fort qu'on se rend compte que le canot va plus vraiment droit pour décider de regarder en arrière. Puis juste pour pas vous faire peur, là, en fin de semaine passée, il y a quelqu'un qui a défoncé sur une glace dure ici sur la Saint-Charles puis qui a passé bord en bord. Il faut faire attention. Mais ça va bien aller. Ouais, ça va bien aller. Avec nos souliers à crampons, nous devions apprendre à trotter et à pousser le canot à l'unisson. Ce qui n'est pas aussi simple que je ne l'aurais cru, surtout en naviguant au travers des blocs de glace. Je suis un gars en pleine forme physique qui n'a pas froid aux yeux. Et malgré, j'ai trouvé le canot à glace très exigeant et ça m'a demandé toutes sortes de mouvements inhabituels. Croyez-moi, les canoteurs à glace sont des athlètes très tenaces dans des conditions assez extrêmes. Mais comment avoir une telle vue sur le fleuve à moins d'être assis dans un canot à glace? Sincèrement, là, pourquoi faire ce sport-là? Mais c'est tellement une passion. Ouais. C'est tellement une passion. Là. Une fois que tu es embarqué dans un canot à glace et que tu as compris, là, c'est toi, ton équipe, contre la nature, contre le fleuve Saint-Laurent.
Ça me fait penser à quand on sort à 6h le matin, un jour de semaine, puis à 7h, t'es à Lévis, là, puis le soleil, il se lève, tu trouves ça bien bizarre, mais t'es bien contente de toi. Il y a pas de putain reset, tu peux pas... Un coup que t'es sur le tapis roulant, tu peux pas dire « Ok, ben j'arrête, j'abandonne, parce que tu vas te retrouver en Gaspésie, là, tu sais, il y a pas de... » Constamment, il y a pas d'option d'abandon. Apparemment que les filles en canot glace, c'est fort. Je vais me prendre au bras de fer avec la plus forte d'entre elles. Go! Je peux bien gagner au bras de fer, mais leur vraie force est dans l'équipe. Et j'ai vraiment un tout nouveau respect pour ces filles et cette discipline. Et l'assistant barbu aussi. Oh, on l'a tout oublié! C'était l'écoute d'un problème dans le bois pour Géo-Québec. Je zèle de la bouche! L'histoire de... Moins 100 dehors! C'est froid! Stan Barbu, il est vraiment content d'être ici. Bon, il y a de la glace qui tombe, ça craque un peu. Normal, ça? Normal. Oh ouais. Apparemment. Ça va pas tomber.